about EU policy, let me take you back to France. And for that, I'd like to ask Aurélie Picard to join me on stage. Hello. We need a microphone. Thank you for being here. Good afternoon. Is it working? Yes. Huge. Yes, thank you. You're the general delegate at the New Energy System Industry Council, Paris-based industry association. And for you, a world without offshore wind energy is no longer imaginable. Thank you very much. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, merci Antoine Ravin en particulier. Et puis, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet extrêmement important, l'éolien en mer, et à la fois le déploiement de l'éolien, mais également son industrie. J'aimerais partager avec vous deux tendances principales. Celle du fait que l'éolien en mer s'impose comme un élément incontournable du mix énergétique au niveau mondial, et une tendance nouvelle sur l'importance de l'industrie de la transition énergétique et en particulier de l'éolien en mer. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir, et vous le partagez tous en étant ici, qu'aujourd'hui, au niveau mondial, la tendance est clairement lancée. L'éolien en mer se développe et son accélération ne cesse de s'accroître. On a eu en 2024, on aura 18 gigawatts supplémentaires installés au niveau mondial, et on sait que d'ici la fin 2025, on aura 125 gigawatts au niveau mondial. Quand on regarde sur les 10 prochaines années, ça va être une multiplication par plus de 10. D'ici 2040, en tout cas, on va passer de 73 gigawatts à plus de 730 gigawatts au niveau mondial. Et donc, on a clairement cette tendance qui est lancée grâce à la compétitivité de l'éolien en mer et à cette capacité de produire une quantité importante d'énergie. L'éolien flottant va également apporter sa contribution et on imagine que d'ici 2040, on aura 11% d'éolien flottant dans le mix énergétique mondial. Comme l'a expliqué M. Grudler juste avant, l'Europe compte bien rester à l'avance, en tout cas une zone extrêmement motrice sur cette tendance internationale. Et comme l'a expliqué M. Grudler, des objectifs clairs ont été posés au niveau européen, 60 gigawatts d'ici 2030, 300 gigawatts d'ici 2050, en continuant à être à la pointe de l'innovation, notamment sur l'éolien flottant. Alors, au niveau français, on a également aujourd'hui une accélération. Les premiers champs ont été enfin lancés. On a également sur le flottant la O5 qui a été donc attribuée. Et puis, on sait que de manière imminente, 6, 7, 8, 9 devraient arriver, avec tout un travail également sur la planification, sur le débat public et la planification pour être capable de pouvoir lancer 2 gigawatts annuels pour atteindre ensuite jusqu'à 45 gigawatts en 2050. Et donc concrètement, j'aimerais souligner sur la partie France une spécificité, c'est l'existence du secrétariat général à la planification écologique, qui a apporté énormément en fait dans cette dynamique de visibilité sur la transition énergétique. Donc comme vous le savez peut-être, en tout cas ce secrétariat général à la planification écologique, c'est une équipe auprès du Premier ministre qui travaille avec l'ensemble des ministères et qui a mis en place un travail de planification, non pas simplement énergétique, mais bien écologique, c'est-à-dire comment on peut atteindre la neutralité carbone en 2050 en prenant en compte les différentes dimensions, aussi bien la dimension énergétique que la dimension de l'eau, de l'écologie, de la biodiversité. Et donc, il y a un plan qui a été établi secteur par secteur sur le transport, le bâtiment, l'industrie, pour pouvoir effectuer cette transition. Et donc, c'est cette planification qui, derrière, alimente les travaux de planification écologique et la définition du mix énergétique. Ces travaux ont donc permis d'avoir une bonne visibilité des enjeux auxquels nous faisons face. Et en particulier, elle souligne la tension qu'il peut y avoir sur la biomasse. On a un vrai sujet d'allocation de biomasse. Quand on regarde sur le mix énergétique, une des grandes questions, c'est tout le monde veut de la biomasse plus qu'on en a. Et puis, il va falloir accroître massivement nos capacités de production d'électricité de manière massive. Et là, on rencontre quatre enjeux principaux. Une question de compétitivité. Quelles sont les énergies compétitives? Comment va-t-on pouvoir accroître cette production d'électricité de manière compétitive? En Europe, plus qu'ailleurs dans le monde, on a une question de foncier. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et par rapport à notre question d'éolien en mer, ça l'est tout particulièrement. Ça peut être un des atouts. Et notamment, après, on le retrouve aussi comme contrainte, ce qui pousse à la question du flottant. Et puis, on a les questions des filières industrielles et des compétences,
qui ont clairement été identifiés et qui sont un enjeu nouveau dont je vous parlerai un peu plus après. Et puis pour finir, dans les autres, le dernier enjeu qui a été identifié, qui fait partie du plan, c'est également l'adaptation de l'ensemble de notre réseau de production, et de notre réseau énergétique, d'adaptation au climat. Il est nécessaire qu'on construise et qu'on bâtisse un mix énergétique qui soit résilient au changement climatique et à l'accroissement global de la température. Donc c'est dans ce contexte-là et grâce à ces travaux-là qui nous sont enviés. Au niveau européen, c'est une démarche extrêmement spécifique d'un point de vue mondial. Et au niveau européen, ça nous est particulièrement envié d'avoir mené ce travail complet qui souligne et qui a bien remis en avant un point essentiel aujourd'hui qui est clairement établi à travers ce plan, c'est qu'on ne peut plus opposer les moyens de production énergétique. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de pousser les feux sur les différentes technologies. Le temps de l'opposition des moyens de production ou des technologies est révolu. Ce plan montre par exemple que dès 2030, on pourrait avoir des tensions majeures, même si on fait le maximum des efforts en termes de sobriété et d'économie d'énergie. L'électrification des véhicules, du bâtiment, de l'industrie, la décarbonation globale de notre économie va créer un tel besoin d'électricité qu'il faut à la fois déployer toutes les énergies au plus vite et faire les efforts maximum de sobriété. Donc voilà pour la partie grande tendance, déploiement. Il y a également quelque chose de tout à fait nouveau, c'est l'importance qu'a pris la dimension industrielle, dont on n'a pas toujours autant parlé et qui aujourd'hui s'est imposée dans le débat mondial. Alors la crise du Covid, l'invasion de l'Ukraine ont joué leur part. On a pris conscience qu'il était important d'avoir une industrie en proximité, de pouvoir se sourcer, de pouvoir avoir des doubles sources, de pouvoir sécuriser ces chaînes de valeur. Et puis le coût de l'électrochoc, ça a été l'IRA. C'est-à-dire qu'au niveau aux États-Unis, il y a une série de lois. L'IRA est la dernière d'entre elles, celle qui est la plus connue, la plus emblématique. Mais il y a bien conscience qu'il y a toute une série de lois qui ont été prises aux États-Unis. Et l'IRA a affirmé la volonté des États-Unis de lier transition énergétique et déploiement de l'industrie de la transition énergétique. On parle souvent de 400 milliards de dollars autour de l'IRA. Il n'y a pas de plafond. C'est un crédit d'impôt. Si ça marche bien, ça peut en coûter le double. Si ça ne marche pas, ça peut en coûter deux fois moins. Mais les 400 milliards sont indicatifs. Alors, comment fonctionne l'IRA? C'est très pragmatique, comme les Américains savent bien faire. Ça lie l'offre et la demande. D'un côté, l'IRA va subventionner l'installation de nouvelles usines aux États-Unis. Et de l'autre côté, elle va subventionner la demande sous condition que le produit subventionné soit produit aux États-Unis par des Américains qualifiés avec de l'acier américain. Et sur chacune des technologies, on rajoute des critères spécifiques, tels sous-ensemble, stratégique, doit être également produit aux États-Unis. Et à chaque fois que vous remplissez un critère, vous avez plus de subventions. Donc c'est extrêmement structurant et ça lie naturellement offre et demande. L'effet qu'on a par rapport à ça, c'est que la Chine, qui a des capacités de production massives, notamment sur le solaire, sur les voitures électriques, se voit couper l'accès au marché américain. Et donc, l'Europe est soumise aujourd'hui à une pression plus forte de produits chinois dont les prix baissent de ce fait. Et typiquement, à titre d'exemple, aujourd'hui, sur le continent européen, nous avons en stock un an de capacité d'installation de panneaux solaires qui sont arrivés, qui sont prêts à être déployés. Donc vous imaginez bien que les prix baissent. Donc ce qu'a expliqué M. Grudler tout à l'heure, c'est que l'Europe a décidé de réagir et a décidé de mettre en place plusieurs réglementations. Donc tout d'abord, il y a le TCTF, qui est un framework, donc un cadre, qui a été pris au niveau européen, qui est une exception. Et en complément de ce qui a été fait sur les IPCEI, dont vous avez beaucoup entendu parler sur l'hydrogène ou sur la batterie, aujourd'hui, les États européens ont le droit d'aider, de subventionner l'installation d'usines. Et ce TCTF en France s'est traduit par le C3IV. Nom barbare, mais retenez, pour nous, ce qui est important ici aujourd'hui, c'est que parmi les quatre technologies que la France a choisies, l'éolien en mer en fait partie. Donc l'éolien en mer, c'est sous-ensemble, il y a une liste qui a été éditée, et d'ici fin 2025, vous avez la capacité à avoir vos installations, vos moyens, vos usines qui sont subventionnées par l'État français. Et c'est automatique, c'est un crédit d'impôt comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la règle du jeu a été énoncée, publiée, et ensuite, il y a simplement une instruction pour dire vous rentrez dedans et ça va assez vite. Ça, c'est la partie offre d'équipement. Sur la partie demande,
on a fait un autre système, c'est le NZIA, dont vous a parlé M. Grundler juste avant, qui concerne avant tout la demande publique et les enchères, les appels d'offres de la CRE. Donc pour ce qui est du marché privé, quand on parle de batterie ou on parle de panneaux solaires, ça ne s'applique pas. Ça s'applique simplement sur les marchés publics ou enchères. Et là, l'Union européenne a décidé que dorénavant, ils souhaitaient, au-delà du critère prix, regarder plus de caractéristiques des produits. Soit en éligibilité, en possibilité à concourir, soit dans le prix. Et c'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé d'être la meilleure offre pour remporter une enchère demain. Mais si vous apportez une plus grande résilience à l'Europe, parce que vous diminuez une dépendance à un pays, ou si votre contenu carbone est meilleur, alors, dans votre note, le poids sera pris de manière plus importante et vous n'êtes plus obligé d'être le meilleur prix. On peut accepter jusqu'à 20% de différence de prix. Donc c'est un contexte qui change et il change très vite. Il change très très vite. Alors la batterie et le solaire, je vous encourage vraiment, si vous êtes intéressé à ce sujet-là, à regarder solaire et batterie. Nous, au comité stratégique de filière, on travaille sur toutes les technologies. Donc je peux témoigner aujourd'hui que les sujets sur lesquels ça tire le plus fort, avant l'éolien en mer, sur la mise en œuvre de ce texte, c'est concrètement le solaire et la batterie sur lesquels c'est en train de s'écrire. Le texte n'est pas encore totalement adopté, qu'on est déjà en train de travailler à la manière dont on va le mettre en œuvre, parce qu'il y a une urgence par rapport à ces secteurs, comme je vous disais avant, avec une année de stock dans les ports, qui sont déjà rentrés sur le continent. Donc concrètement, les appels d'offres vont évoluer et vont pouvoir intégrer ces critères-là. Donc c'est une évolution majeure. Peut-être pour compléter le propos, pour donner une photo complète, sur les marchés qui sont plus liés aux particuliers, vous avez peut-être remarqué, vu dans les actualités, que sur la batterie, par exemple, il y a eu des procédures anti-dumping, des questions de droits de douane qui se mettent en place. Donc c'est au-delà des intentions, parce que souvent l'Europe donne des objectifs et ne se met pas totalement les moyens. Sur cette politique-là, on a vraiment eu très rapidement l'annonce des objectifs et la mise en place effective des moyens pour y arriver. Procédure anti-dumping, typiquement sur le solaire, en Roumanie. Il y a une procédure anti-dumping par rapport à une des réponses et l'offre a été retirée par les concurrents étrangers qui avaient fait une offre qui avait été considérée comme très agressive au niveau européen. Donc cette mise en œuvre, elle est très rapide. Elle vient compléter les travaux qu'on avait pu mener dans la filière, hein, d'engagement réciproque où l'État donne plus de visibilité, les industriels en contrepartie s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour avoir du contenu local. Et là, dorénavant, on a cet outil avec le NZIA qui permet concrètement d'améliorer le contenu local. Alors c'est particulièrement important parce que aujourd'hui, quand je vous ai parlé batterie et solaire, c'est des technologies sur lesquelles on essaye de reprendre pied l'Europe. L'éolien en mer est une technologie que nous affectionnons particulièrement et sur lesquelles l'Europe est en avance. Déjà, historiquement, c'est le continent de déploiement de l'éolien en mer, c'est le continent de l'innovation. On a contribué très clairement aux tailles de plus en plus grandes des éoliennes, aux flottants, et également au challenge sur le courant continu dans les stations. Donc il y a une volonté claire sur ces technologies, là où sur la batterie et sur le solaire, la question est de reprendre pied, sur l'éolien en mer, c'est de le garder, et de garder cette avance et de protéger et développer l'industrie en Europe sur l'éolien en mer. Et donc ces textes, hein, que ce soit la partie appui aux investissements ou prise en compte dans l'offre, sont extrêmement structurants et aujourd'hui, vont être mis en œuvre pour pouvoir accompagner le maintien de notre industrie, parce qu'il y a cette prise de conscience que de mettre le prix en unique critère met une pression particulièrement forte. Donc voilà, pour conclure mon propos, pour récapituler, ce que je voulais partager avec vous cet après-midi, c'est vraiment cette dynamique mondiale clairement enclenchée, sur laquelle l'Europe est très clairement positionnée et souhaite déployer, mais avec un changement de paradigme maintenant. C'est lié, comme dans les autres zones géographiques, lié clairement, effectivement, avec des outils qui se mettent en place rapidement, le déploiement de l'éolien en mer avec le développement de son industrie en Europe. Et donc, c'est des choses qui se jouent maintenant et je vous encourage vraiment à y prêter attention parce que ça va très, très vite sur ces sujets. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci Aurélie Picard pour ces éclairages.